It's May Day, 5 days before the presidential election. And National Front supporters gather in Paris from all around the country to meet with their leader, Marine Le Pen. What do you like that she says? Préserver le pays, garder le pays, garder la France. Aux Français. Aux Français. La France aux Français, la liberté. Why are you here? What's important to you? Parce que chaque citoyen a un pays et chaque citoyen doit défendre son pays. Defence and war rhetoric has always been a feature of the National Front. And the threat has always been migrants. But the message has never found such a receptive audience as it has today. Alors le problème avec les étrangers, c'est que maintenant, si vous voulez, 15 millions d'étrangers sont entrés sur le territoire de France depuis les 35 dernières années, et donc nous n'avons plus les possibilités pour les accueillir. The French people will disappear. The French identity will disappear. Because of the migrants, you think? Yes. Yes. Le Pen is already out of the presidential election, but her third place position, achieved in the first round, just 5 percentage points behind Sarkozy, was a stunning result. Her virulently anti-EU and anti-migrant message has made her a major player. It seems the times are suiting Marine Le Pen and the National Front. Très bien. The National Front has had a similar message for many years. Why is it working now? Ah, bonne question. Bah, ça marche maintenant parce que avoir raison trop tôt, c'est une autre manière d'avoir tort. Et lorsque nous avons expliquer les graves problèmes d'immigration qui allaient toucher notre pays, lorsque nous avons expliqué les graves problèmes qu'allait entraîner la disparition des frontières, l'effacement de notre identité, l'ultralibéralisme, il était trop tôt encore pour que les Français se rendent compte de ces conséquences. Aujourd'hui, ils commencent à s'en rendre compte de plus en plus et ils s'aperçoivent que bien nous avions raison depuis 30 ans de tirer la sonnette d'alarme et que... Did it surprise you, the success you've had in this election? Non, je ne suis pas surprise de ce résultat. Je pense que nous arriverons au pouvoir dans un nombre d'années qui tient sur les doigts d'une main. Parce que l'ensemble de l'Europe est en train de prendre conscience du danger migratoire, du danger du glissement de civilisation auquel nous sommes confrontés, de la perte de nos valeurs qui en est la conséquence. Et donc, je pense que toute l'Europe va avoir un sursaut probablement dans les 10 prochaines années. De toute façon, si elle n'a pas ce sursaut, alors elle disparaîtra. Encore musique spéciale. France has been a refuge for the world. A kaleidoscope of peoples have started a new life here, but in recent decades, the bulk of them have come from North Africa. The clash of civilizations that Le Pen and others talk of does not normally encompass race or skin color. Invariably, it refers to culture and religion. And the most common target is Islam. Lorsque nous avons fait venir des Polonais, des Portugais, des Italiens, des Espagnols, ils se sont fondus dans la communauté nationale, ils se sont assimilés et ils ont été adoptés comme des fils et des filles de France. Et c'est maintenant des populations étrangères qui cherchent à imposer aux Français leur propre mode de vie, leur propre religion, leur propre code. C'est ainsi que nous avons appris, permettez-moi, c'est moi qui l'ai dénoncé dans la campagne présidentielle, que plus de la moitié de la viande vendue en France était de la viande halal, sans même que les Français le sachent. Halal meat, head coverings, mosques and Sharia law are common causes of complaint for the right. A sign, it's thought, of a population whose primary loyalties don't lie with France. She has, elle dit
des propos islamophobes. Islamophobes. Yes, it's very Islamophobic. Marine Le Pen, it's very dangerous for a Muslim. Dangerous for the Muslims. Yeah. Despite the growth in the vote of the National Front, the response of the Muslim community has been largely mute or extremely cautious. It's as if there's a hope that the anti-Islamic mood will die down. But there's not much sign of that. The National Front of Marine Le Pen got the double of the voices than 5 years ago. Maybe in 5 years... Double again. Double again, and she can win in the elections. That's the problem. Incarne le peuple de France, le peuple qui se réveille, le France des indésis, le France des oubliés. Et nous avons obtenu au premier tour de l'élection présidentielle 6,5 millions d'électeurs. Et ceci, c'est une première étape pour demain conquérir le pouvoir. The National Front is already looking beyond the presidential race, with their eye now firmly set on next month's National Assembly elections. Their current level of support could translate into assembly seats for the first time, further damaging Sarkozy's conservative UMP party. Well, if your vote translates into the assembly elections next month, could you be in a position to be helping form the next government or helping choose the next government? Mais on le fait déjà. On le fait déjà. On ne parle que de nous. Je ne suis pas au deuxième tour et on parle plus de moi que si j'y étais. Bon, donc ça, c'est la puissance du vote. Et il est sûr que l'objectif, c'est d'arriver demain à entrer à l'Assemblée nationale et peut-être même, on ne sait jamais, être ce groupe de députés charnières qui pourrait, là, pour le coup, avoir une influence absolument spectaculaire sur le cours des choses. Le Pen is confounding both sides of politics here. May Day is traditionally a day for union and labour parades through Paris. It's no coincidence that Le Pen has designated May 1 as a day to rally for Joan of Arc, in honour of the 15th century heroine who fought the foreign invaders. With her controversial father, Jean-Marie, the founder of the party, at her side, she pays homage to the glimmering statue, Golden Girl to Golden Lady, both saving France from the foreigners. Elle fait partie de la lignée des défenseurs de la France. J'ai dit qu'elle n'était pas Jeanne d'Arc, bien sûr, parce qu'elle est mère de famille et que Jeanne d'Arc était vierge, n'est-ce pas? Bon, alors par conséquent. Mais elle est quand même dans la lignée des défenseurs de la France, c'est vrai. La politique de droite, un petit peu extrême, est complètement différente de celle de son père qui était avant Jean-Marie. Je suis complètement contre Jean-Marie Le Pen pour sa politique, mais complètement pour la politique de Marine Le Pen. Parce que c'est différent. Elle n'a pas les idées un peu fascistes de son père. Elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus... Elle est contre les fainéants, on va dire. She changed the way people saw the National Front. Yes. That's for sure. But she's still got something of a father, you know. Of course. Well, you have the genes, you know. Her name is Le Pen, after all. Former newspaper editor, now author and political analyst Andrei Berkov has written extensively about the Conservative parties in France. She wants to govern, unlike her father. Her father, you know, when he was climbing up in the polls, or even in the elections, he said one big, stupid joke about World War II or the Nazis or another thing. And everybody shouted and said, look at this fascist, the neo-Nazi. And it was done. She is much more prudent. She doesn't want to say about that. She wants to be part of the next governing right. Did polite society talk about the National Front 10 years ago? Would you have said, I agree with the National Front, I like these policies? Or was it indelicate to do that? Is that what she's saying? Yes, it was not only indelicate, it was shameful to do that. Shameful to talk about? Yes, it was not only politically incorrect, but completely shameful. It's like you said, I have, you know, MST or gonorrhea, you know? Yeah. It was like that. You know, you couldn't say that, I mean, for many, many people. Now,
she has succeeded to link the immigrant question to the social question. It's absolute, it's not entirely right, but it's not entirely wrong. You know, it's all question of nuances. But there's not a lot of nuance on display today. For Marine Le Pen, the causes of the nation's problems are stunningly simple. Immigration, which she wants to end completely, and the European Union and the Euro, from which she would withdraw. L'on nous rétorquait des deux côtés, droite et gauche, que nous étions xénophobes, égoïstes. L'on nous parlait de l'obligation du métissage de la richesse d'une société multiculturelle. Nous avons imposé nos thèmes dans cette élection et nous avons étonné par la force de notre discours, par sa cohérence. Nous sommes devenus le centre de gravité de la vie politique française. After the elections, if you're negotiating about who could form a government, what would be your key demands? You won't get everything you want, but what would be your key demands? Retrouver la maîtrise de notre souveraineté. Voilà, le peuple est le seul souverain légitime. Or, aujourd'hui, ils ont vendu notre liberté de peuple au fur et à mesure à l'Union européenne, à des technocrates qui ont pris les pires des décisions. Would an end to immigration be a key demand of yours, an absolute rock-bed demand? Oui, oui. Oui, car, oui, pour une raison simple. Les problèmes économiques que nous vivons, les problèmes économiques, de manière générale, sont toujours réversibles. On peut avoir des périodes très difficiles et puis on se redresse. Mais la modification qu'entraîne une immigration massive avec une naturalisation massive, eh bien, elle est irréversible. Nous sommes le parti de la réconciliation de tous les Français. On the same day as Le Pen's Joan of Arc rally, Nicolas Sarkozy makes his last major speech as president. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous n'avons pas d'adversaire. Nous avons la France dans le cœur. Voilà le message du rassemblement de la place du Trocadéro. Reaching out to Le Pen supporters, Sarkozy has recently promised to halve immigration levels, but Le Pen fails to endorse him. The Conservative vote is now so severely split that Sarkozy is doomed. A split that is now likely to deepen following his loss. Across town in East Paris, the left holds its May Day rally. At the head of the march, Lady Justice strides forth to go into battle with the forces of darkness that are gathering. It's no surprise that she wins today, and a good omen for socialist candidate François Hollande. The left will be victorious in this presidential vote, but next month it's likely they'll be facing a much harder right than Sarkozy at the assembly elections, and in the years to follow. Vu comme les médias parlent tout le temps de nous, on est quand même au centre du débat. Faut pas relâcher. Rome s'est pas construite en un seul jour. The National Front Youth Wing has had an influx of new members and they're gearing up to spread their message for next month's election. It will be the next test of how widely their ultra-nationalist views are being embraced. Let's talk about the people that are French citizens. Yes. They're migrants from Algeria or Iraq or Iran. They're afraid of you. They're scared of you and your party. Very simple, I think. You respect the Republic. You have no problem with the Front National. But if you don't respect the flag, the national anthem, and the Republic, and the Republic symbols, you have problem. France is seen as one of the great democracies of the world. It's seen as a place of tolerance. It's seen as a place of refuge. Does it worry you that that reputation will suffer
if you succeed. Mais je vois pas pourquoi elle souffrirait. Au contraire, elle va redevenir la France. Parce que mais la tolérance, ça veut dire quoi, la tolérance? Moi, je suis extrêmement tolérante et hospitalière. Vous l'êtes vous-même. Est-ce pour ça que vous accepteriez que 12 clandestins viennent s'installer dans votre appartement? Vous accepteriez pas. Bon, et que, de surcroît, ils changent le papier peint. Et que même pour certains d'entre eux, ils volent votre portefeuille et qu'ils brutalisent votre femme. Vous accepteriez pas. Bon, ben voilà. Par conséquent, nous sommes accueillants. Mais c'est nous qui décidons avec qui nous sommes accueillants. Voilà. I take offense if some of the things she says. I don't like the style, but at the same time, I think that she is going to be part of the landscape for the better of the worse for many years to come. For better, for worse.